skirt out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Pull off of the car lot, push button at hard top. Las Vegas at the Hard Rock, you can see the time on my smartwatch. Bent out in the penthouse, still a player with the pimp mouth. Your girlfriend is my friend now, and she loving it when we spin out. Hop in the Porsche, I go fast, go fast, go fast. Hop in the Rory, you go fast, go fast, go fast. Turn out in the whip, but do not crash. See you looking at me, hater, why you look so mad? Hop in the Porsche, I go fast. Bonjour à tous, bienvenue ici en direct du centre d'entraînement. On a changé de décor tout à l'heure, on était à l'entraînement. On passe dans le studio de PSG Télé avec le coach. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour coach. Salut David. That's right, we're here for the press conference ahead of that match against Lille with head coach Christophe Galtier. Avant la troisième journée de Ligue 1 qui va nous emmener dans le Nord, que le coach connaît bien, du côté du stade Pierre-Mauroy, que le coach connaît bien, pour affronter Lille, que le coach connaît encore mieux. Du coup, coach, on vous a affronté quelques fois quand vous étiez du côté de Lille, à nos dépens d'ailleurs, hein, j'y reviendrai tout à l'heure. Cette fois, vous êtes du bon côté, c'est vous-même qui le dites, je reprends vos mots. Est-ce que c'est un avantage quand on est coach de connaître aussi bien l'adversaire? Oui, c'est un avantage, même si l'adversaire, le LOSC d'aujourd'hui a beaucoup changé par rapport au LOSC champion, même par rapport au LOSC de la saison dernière, mais il reste encore des joueurs avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses saisons et qui ont des particularités. Donc si on peut donner quelques clés, quelques conseils supplémentaires à nos joueurs, il ne faut pas s'en priver. Bon, on va cuisiner Renato aussi, hein. On va pas s'en priver. Et coach, avec ces trois matchs déjà disputés, 14 buts donc du côté offensif, on en a parlé un petit peu, c'était la belle surprise de ce début de championnat. Est-ce que vous êtes agréablement surpris par pléthore de buts comme ça? Bon, c'est toujours agréable, hein. C'est déjà agréable pour évidemment les joueurs, pour les supporters, pour tout le monde d'avoir beaucoup de situations et de marquer. Après, surpris, non. Il y a beaucoup de talent, les joueurs ont beaucoup de connexions entre eux, ils se connaissent. Il y a, sur le secteur offensif, il y a quasiment peu de joueurs, même si Hugo vient de nous rejoindre et qui découvre le très haut niveau. Il y a simplement peut-être le fait qu'on ait pu libérer notre secteur offensif de quelques replis défensifs. Voilà, ça leur permet d'avoir un peu plus d'énergie sur les zones, dans la zone de finition, sur les phases de finition. Il y a l'apport de nos pistons aussi qui est très intéressant. Mais voilà, c'est agréable, mais surpris non, il y a la qualité de notre trio offensif et de ceux qui peuvent rentrer en cours de match qui fait qu'on peut créer du danger à tout moment. Du danger, il y en a à tout moment. Et coach, j'ai envie, pour la troisième et dernière question, de poser une question un peu plus personnelle. Ça fait un mois et demi désormais que vous êtes à Paris. Quand on s'est vu la première fois lors de la conférence de presse, vous m'avez dit « je dors PSG, je mange PSG ». Déjà, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous arrivez à dormir? Est-ce que la pression se gère bien? Et comment vous vous sentez ici à Paris, tout simplement? Épanoui, la pression, elle est permanente. On n'a pas le droit au moindre écart. On fait très attention, bien évidemment. Mais je suis très, très épanoui à Paris, mais je dors toujours PSG, je mange PSG, j'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. Donc il se coiffe pas PSG? Je vais y aller cet après-midi. Okay. Ça marche, moi. Merci coach. Merci. Place à la conférence. Merci coach. Bon après-midi à vous. Allez, bon exercice. Ciao, merci. Allez, pour la trad, place à David. Yeah, I'll do a quick translation on that. So the first question was about, okay, coach, you know Lille very well, you know some of the players well. How does it, is that an advantage going into this game? The coach says, yes, it is a small advantage, but the team has changed from the time that I was there, and even since last season, the team has changed. But they have a lot of players that they know. They have a lot of familiar faces. And if there is some advantage that the coach can give to the team, then he will give that. The second question, C'était les buts, beaucoup de buts. That's right. The second question was about the team has scored 14 goals thus far in three games. Are you surprised by that? Coach, no, not surprised. We have talented players in every position. They link up well. Hugo Ekitike is joining into that and helping the team link up well, as well as the team is set up in a way that the forwards can defend in a smart way. So when we do have the possession of the ball, team has more energy to attack. And lastly, the coach was asked about a personal question about how his time thus far is in Paris at PSG. He says he loves PSG, loves Paris thus far, so everything has been épanoui. Good for him. Épanoui. And that the pressure is always permanent. Ouais.
But he's living with that. Exactement. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai posé ces questions. Il y a des stats derrière ça quand même. D'abord, quand je lui ai demandé Lille, c'était à nos dépens qui était du côté de Lille, parce que sachez que Lille n'a remporté que 2 de ses 20 derniers matchs de Ligue 1 face à Paris. Mais ces deux matchs, c'était quand Christophe Galtier était sur le banc. Donc il nous a un petit peu torturé là-bas en avril 2019 et avril 2021. Donc on est content désormais de l'avoir avec nous. Et la deuxième stat, eh bien, quand je lui ai dit « Est-ce qu'on est surpris de voir autant de buts ?» Alors il dit non, mais les stats sont un peu surprises, elles, hein, parce que Paris a inscrit donc 5 buts lors de ses 3 premiers matchs officiels et 3 derniers matchs de Ligue 1. C'est la première équipe à le faire dans l'élite depuis Reims, et c'était en 1952. C'est dire que c'est quand même un peu surprenant. Yeah, the stats that you bring into it, the second stat that you brought in the last 3 matches, Paris Saint-Germain have scored 5 matches in the last 5 goals. In the last 3 matches, the last 3 official matches in Liga, and this is a stat that hasn't been done since the 50s, since Stade Reims in 1952. Exactement. Bon, le coach, vous le voyez, hein, juste à côté, dans le petit carré, ne va pas tarder à arriver dans la salle de conférence de presse. Il y a une petite centaine de mètres de nous. Évidemment, on lui laissera la parole dès qu'il est là. On en profite pour faire un petit point un peu sur ceux qui auraient raté le début de saison et qui n'étaient pas à l'entraînement ce matin. Déjà, pas de point médical aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Yeah, that's great news. Tout le monde est là. That's right. The coach has a full squad to choose from. There's no medical point from today, which means, as I just mentioned, the coach has everyone to choose from. All the players are available for tomorrow. Voilà. Et sur le plan comptable, Sunday. Ouais, dimanche pour le match au Stade Pierre-Mauroy. Sur le plan comptable, tout est absolument parfait. On l'a dit, premier titre au Trophée des Champions face à Nantes. Premier match de Ligue 1 à Clermont, 5-0. Premier match à domicile, Montpellier, 5-2. On a des hommes en forme et une équipe pour laquelle, eh bien, sur le plan comptable, c'est parfait. Yeah, 3 wins in on the bounce for the team. 2 wins in Ligue 1, the first one away from home against Clermont, and then that first one at the Parc des Princes against Montpellier, 5-2 win. First win away from home was 5-0 as well. So, as I just mentioned, 5 goals in the last 3 official matches. Exactement, c'est la première fois de l'RQSI qu'on met en tout cas 10 buts lors des 2 premiers matchs. Résultat concret sur le classement eh bien, de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est déjà leader avec 6 points. Sachez que les premiers poursuivants, que ce soit par exemple Marseille ou Lille, justement, eh bien, eux, ils en ont 4. Donc il va falloir dès maintenant se battre pour conserver cette place. That's right, going into this match, top of the table right now with 6 points, 10 goals scored, 2 goals conceded. Of course, Lille in third place going into this match. They have 4 points. They're tied with Toulouse and Marseille, other teams with 4 points as well. Et pour l'instant, il y en a un qui mène la danse des deux côtés du classement des passeurs et des buteurs. Et bah, c'est Neymar Junior, meilleur passeur du championnat avec 3 passes D. Bah, c'était justement lors du match de Ligue 1 et meilleur buteur et donc également avec 3 buts. Yeah, that's right. He's coming up that list in best goals, but he's top of the assist charts with 3 assists thus far. 3 goals thus far in the season as well. So we can start to see Messi and Mbappé start to join him as well. Bah oui, exactement. Ils sont juste derrière dans les classements, que ce soit passeur ou buteur. Donc on imagine en tout cas eh bien, qu'on aura beaucoup de buts cette saison, notamment de notre trident offensif. Pour parler un petit peu du milieu de terrain, petit clin d'œil pour Marco Verratti qui pourrait disputer son 250e match de Ligue 1. Voilà. Et d'ailleurs, Opta nous a précisé dans ses stats que c'est celui qui a réussi le plus de passes dans l'élite depuis qu'Opta analyse la compétition. C'était en 2006. Bref. Yeah, last week, I mean, we're talking about Verratti a lot because last week he could have played his 381st match, which he did. Actually, it looks like the coach is there, so I'll pick that up just after. On vous retrouve juste après. Je bois comme je m'attends à une conférence de presse très longue. Vous m'entendez? Dernier arrivé, premier à parler. Ça, c'est... Paf! Respect de la hiérarchie. Ça démarre. On y va. Bonjour Christophe. Bonjour. Damien Degore, donc l'équipe. Est-ce que samedi dernier, on a assisté à un épiphénomène entre Kylian et Neymar, ou est-ce que c'est symbolique d'un malaise un peu plus profond entre les deux joueurs? Il n'y a aucun malaise. C'est un épiphénomène. On s'est évidemment rapidement vu le lendemain pour aplanir tout ça, dire ce qu'on avait à se dire entre nous, et c'est pour ça qu'il n'y a aucun malaise, et je vous le confirme avec beaucoup de sincérité, on a eu une semaine très agréable dans le travail où les uns et les autres ont travaillé pour bien préparer le match face à Lille. Et j'ai apprécié évidemment toutes les séances de cette semaine
où cet épiphénomène du match face à Montpellier a disparu très rapidement, c'est-à-dire au lendemain lors de notre séance de décrassage. Bonjour, Nicolas Payard d'InfoSport Plus et de Canal. Je voulais savoir, concernant la hiérarchie des coups de pied arrêtés, elle est évolutive de match en match, ou alors vous avez pris une décision pour un certain nombre de matchs et c'est comme ça? Elle ne peut être qu'évolutive parce que ça dépend de qui se retrouve sur le terrain à ce moment-là. Sur ce match-là, face à Montpellier, il y avait un ordre bien précis. Tireur numéro 1, Kylian. Tireur numéro 2, Ney. C'est ce qui s'est passé. Après, il y a l'interprétation que l'on fait quand on donne un ordre. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un deuxième pénalty? Il ne s'est rien passé sur le deuxième pénalty. Ça a été très court. Il y a eu une discussion, un échange, une discussion entre Ney et Kylian. Et à partir du moment où Ney s'est senti de le tirer, Kylian a laissé tirer Ney. Bonjour Christophe, Philippe Sanforge pour RTL. Vous allez devoir jouer à Lille sans Vitinha, première suspension de non de pas la, Lille de la saison. Comment? Non, Vitinha va jouer à Lille, c'est à Monaco. Oui, le match d'après, pardon. En tout cas, c'est la première. Reposez votre question. Oui, tout à fait. Pardonnez-moi. C'est sur le fond. Ça m'arrive aussi, moi, de me tromper. Alors, oui, c'est sur le fond plutôt que je voulais aller. Il se trouve que c'est un secteur où Marco Verratti a tendance aussi souvent à être victime de suspension. Ça a parfois posé problème les saisons passées sur des matchs importants. Est-ce que c'est un sujet pour vous de discussion avec les joueurs? Vous demandez beaucoup d'intensité dans les rencontres. Est-ce que le fait de ne pas confondre intensité et agressivité, parfois même aussi dans les relations avec l'arbitre, dans la communication, on a vu souvent des suspensions parfois qui étaient liées à ça. Est-ce que pour vous, c'est un axe de progression? Est-ce que c'est un sujet? C'est un sujet, bien évidemment, parce que se faire suspendre de manière stupide pour un excès de contestation, évidemment que ça pénalise à la fois le joueur, mais ça pénalise aussi l'équipe. Et que nous allons enchaîner à partir du 28 août, quasiment tous les 3 jours. Il est très important que nos joueurs soient focus sur le jeu. L'intensité est indispensable au haut niveau, mais il doit y avoir une certaine maîtrise. On a des joueurs d'expérience. Mais j'en parle évidemment aux joueurs concernés. Évidemment que Marco est quelqu'un qui... mais Marco, si Marco, on ne va pas changer radicalement Marco, mais il me semble être plus... Il me semble être à l'écoute sur ce sujet-là, mais on n'est pas à l'abri d'un débordement. Mais j'en parle énormément, mais pas spécialement à mes milieux de terrain, mais j'en parle énormément à tous les joueurs, je leur dis très souvent... On commence un match à 11, on doit le finir à 11 et ne pas prendre de carton stupide et d'avoir une maîtrise sur ses interventions, sur son comportement et encore plus quand on a été averti en cours de match. Bonjour Christophe, Louis Tanzi, l'équipe. Je poursuis sur Vitinha et Verratti. C'est votre paire de récupérateurs depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette complémentarité justement? Ben Marco, déjà, vraiment l'expérience du très haut niveau, c'est quelqu'un qui, pour avoir souvent joué contre Paris Saint-Germain, quelqu'un qui est très difficile à bloquer, c'est quelqu'un très intelligent dans son placement, évidemment qu'il a une grande qualité technique, il a une grande connexion avec les joueurs qui sont devant lui. Viti est un jeune joueur qui vient d'arriver chez nous, qui est porté plus vers l'avant, qui aime percuter, qui aime se projeter vers l'avant. Et évidemment que je travaille beaucoup cette association-là. Et aussi avec l'autre paire, il va y avoir des profils différents, mais on ne peut pas avoir les deux mêmes profils. Les gens peuvent penser à un certain moment qu'il va manquer de la densité athlétique lors de gros matchs. Peut-être, on verra bien, mais ce qui me semble important, c'est l'utilisation du ballon. Bonjour Christophe, Antoine Maignan pour l'AFP. Depuis le début de saison, on a vu une relation vraiment parfaite entre Léo Messi et Neymar. Ils combinent énormément, ils se cherchent
beaucoup sur le terrain. On sent que c'est facile entre eux. Est-ce que c'est facile pour vous d'intégrer Kylian Mbappé à ce duo qui marche sur l'eau? Est-ce que c'est facile de faire en sorte que ça devienne un trio? Merci. C'était un trio la saison dernière. Si en ce début de saison, on a vu souvent Ney et Léo s'associer, c'est qu'il y avait l'absence de Kylian de par la suspension, de par sa petite gêne musculaire, ce qui a engendré dans la préparation aussi beaucoup de matchs, beaucoup de minutes avec une association et non avec une paire et non pas un trio. Mais ce trio a été quand même très efficace la saison dernière, même c'était des joueurs qu'ils se recherchent constamment à l'entraînement, dans les évolutions, dans nos transitions, dans notre jeu, à l'intérieur évidemment du jeu. À mes yeux, c'était un vrai trio et non pas une paire. Et pour répondre précisément à votre question, s'il est facile d'intégrer Kylian Mbappé. Ah oui, c'est facile d'intégrer Kylian, oui. Bonjour coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Ici. Simplement pour revenir sur les coups de pied arrêtés et les pénalties, quels sont les critères que vous utilisez pour désigner les tireurs de pénalties notamment? Est-ce qu'on peut imaginer également, parce qu'on parle beaucoup de Neymar et de Kylian, un Lionel Messi aussi passé numéro 1? Il peut y avoir Lionel Messi, il peut y avoir Sergio Ramos aussi, qui est un très bon tireur de pénalty. Il y a ce que je souhaite, évidemment, dans la préparation du match, et qui doit être respecté. Et après, il y a la réalité du match et du moment. Et je pense qu'il est très important pour nos attaquants de marquer des buts, de créer des situations, mais aussi de marquer des buts. Non pas pour faire des stats, mais pour garder la confiance et cette envie de marquer des buts. Mais après, il y a les situations de match, et en situation de match, un entraîneur est très loin. Et c'est à mes joueurs d'être très intelligents et de savoir à quel moment on peut faire un cadeau à un partenaire ou s'effacer pour que notre partenaire puisse gagner en confiance en tirant un pénalty. Christophe, bonjour, Dominique Serac, Le Parisien. Il y a deux semaines, vous aviez dit que vous attendiez encore trois recrues. Est-ce que vous avez des nouvelles dans ce domaine d'Antero Henrique, qui est en charge des négociations au club? Oui, il y a deux semaines, oui, j'ai dit qu'on attendait trois recrues. Pourquoi Antero? Oui, j'ai lu, hein, j'ai lu dernièrement beaucoup de choses. Et je tiens à préciser les choses, la direction sportive et les prises de décision sont faites évidemment par le président, par Luis Campos et moi-même sur ce que doit être l'effectif. Et depuis le début, nous fonctionnons comme ça et ça se passe très bien. Nous avons identifié rapidement les besoins par rapport à un nouveau système, par rapport à un calendrier très chargé que nous allons avoir à partir du 28 août, où nous allons jouer tous les trois jours. Jusqu'au 13 novembre. Et évidemment on a identifié des joueurs qui pouvaient être vraiment une valeur ajoutée. Après, il y a la réalité du marché, il y a l'aspect évidemment économique et commercial. Nous avons beaucoup de joueurs sous contrat. Et c'est là-dessus, que le club compte sur Antero, sur cette capacité à pouvoir vendre ou prêter nos joueurs dans différents clubs pour réduire évidemment le nombre de contrats qu'il y a au club. Ça, c'est la première des choses. Avec le président, avec Luis Campos, évidemment, nous échangeons quasiment tous les trois jours sur ce que doit être notre effectif. Mais il y a toujours un décalage entre l'aspect économique, commercial et l'aspect sportif. Nous, on est pressés. Je le répète encore une fois, dans une semaine, nous allons enchaîner tous les trois jours. Ça va être un calendrier très chargé avec des matchs, avec des enjeux très importants. Il ne faut pas croire que c'est simple d'intégrer un joueur et que quand un joueur arrive, au bout de 3-4 jours, il va trouver ses repères. Il y a un modèle de jeu, il y a des principes de jeu, il y a une connexion que les nouveaux joueurs doivent avoir et trouver avec les partenaires. Et là-dessus, le fait que ces joueurs-là n'arrivent pas, évidemment que ça nous pénalise sur un plan sportif. Christophe. Oui, Achillage pour BRFM. Dans la continuité de cette question, après un mois passé à la tête de cette équipe, est-ce que votre regard a changé concernant l'effectif et les manques ciblés au préalable? Et avec un pressing haut qu'on a pu constater sur les précédentes rencontres,
et des joueurs très techniques. Est-ce que la philosophie de jeu que vous souhaitez mettre en place et les profils que vous ciblez dans cette recherche, ces joueurs-là doivent avoir une forte capacité à la lecture du jeu? Bien évidemment, les profils, c'est plus une question de profil. Les joueurs ont été clairement identifiés par le président, par le Scampos et par moi-même. On sait quels joueurs on souhaite voir venir. Évidemment, nous avons un jeu où je souhaite que l'équipe puisse récupérer le ballon le plus tôt possible, le plus haut possible, ce qui demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie, et que dans l'enchaînement des matchs, il faut que notre effectif soit non pas le plus large possible, mais soit de la meilleure qualité possible pour que quand il va y avoir ces fameux enchaînements, qu'il y ait des rotations qui ne pénalisent en aucun cas la qualité du jeu, parce que notre jeu doit être porté, doit être très précis là-dedans, sur cette capacité, je le répète encore une fois, à défendre en avançant et à gagner le ballon le plus rapidement possible. Mais il faut y associer aussi, et bien évidemment, la qualité technique, parce que le Paris Saint-Germain est souvent face à des blocs bas et il faut vraiment une très grande connexion, une très grande relation technique entre les uns et les autres. Bonjour coach, petite question sur Lille et pour parler de cette équipe de Lille. Est-ce que c'est réducteur de dire que c'est peut-être l'un des premiers vrais gros tests cette saison avec cette escouade offensive et peut-être aussi un test pour votre défense? Donc d'affronter cette équipe de Lille qui est assez intéressante dans ce qu'elle propose depuis le début de la saison. Oui, il y a eu un changement d'entraîneur avec une philosophie de jeu. C'est une équipe qui presse bien, qui met. Évidemment, on a beaucoup travaillé sur les matchs précédents de Lille. C'est une équipe qui presse bien, qui essaye de récupérer aussi le plus tôt possible le ballon. Il y a de la qualité sur un plan offensif. Et dans ce sens-là, il faudra être juste, nous, sur nos sorties de balles, être très précis. Est-ce que c'est un des premiers gros tests? Ça serait très réducteur par rapport aux trois adversaires que nous avons eus, parce que je compte quand même aussi le trophée des champions. Mais on va jouer dans un stade qui va être plein face à une équipe qui a eu l'habitude de la Champions League la saison dernière et qui a fait un très beau parcours en Champions League. C'était un peu plus difficile en championnat. Mais voilà, c'est une équipe qui est habituée à ce genre de rencontres et au niveau de l'intensité et des efforts à fournir, évidemment que ça sera sûrement un test plus important que les deux précédents. Oui, Christophe, on est à 12 jours de la clôture du mercato. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que Neymar va rester au PSG? Putain de merde. Le mercato, il y a toujours des surprises, il peut y avoir plein de surprises. J'ai pas entendu demander à partir, je le vois tous les jours s'entraîner. Il travaille bien, il est performant à travers les matchs qu'il joue jusqu'à présent avec nous. Il ne donne pas le sentiment d'un joueur qui est en stand-by. Après, un mercato, c'est un mercato. Bonjour Christophe, Arnaud Valadon, RMC. Bon, on est au stade Pierre-Mauroy, on est dimanche soir. Supposition, Neymar, Mbappé, Messi sont dans le 11, on est la 25e. Neymar rentre dans la surface de réparation, Thiago Diallo le crochette, penalty, qui tire? Déjà, l'information c'est que Thiago Diallo puisse jouer. Alors José Fonte. Non mais Thiago Diallo peut jouer, c'est ce que j'ai vu après une décision. Il devait être suspendu, finalement il n'est plus suspendu. Qui va tirer le penalty? Les joueurs le sauront. Merci à vous, bonne fin de journée. Et voilà David, c'est tout pour la conférence de presse de Christophe Galtier. Donc pour ceux qui ont des questions mercato, vous l'avez compris, ça réserve toujours des surprises, mais une chose à retenir, il n'est pas encore fini. Yeah, that's right. That was the press conference ahead of Lille. Just before we went into that press conference, I was doing a little stat about Marco Verratti, and I was saying that we're speaking about him a lot.
Last week he played his 381st match for the club, his second in appearances. Now, since 2006-07, when Opta started recording the stats, of course, Verratti joined just over 10 seasons ago, 250 matches in Liga, and in that time, he's made the most successful passes in Liga, 18,865. Voilà, et justement, il en a parlé de Marco Verratti, un joueur qui a beaucoup d'expérience et évidemment sur lequel on va tous compter, le peuple rouge et bleu, cette saison. Une fois de plus, il a parlé de beaucoup de choses, il a notamment parlé de Lille. Forcément, Lille, parce que c'est là où nous allons aller dimanche du côté du stade Pierre-Mauroy pour cette troisième journée de Ligue 1. Est-ce que c'est le premier gros test de la saison? Il a dit que ce serait manquer de respect aux deux premiers adversaires, qui étaient Clermont ou Montpellier, à qui on a mis 5-0 et 5-2, mais quand même, force est de constater que ça va être un match face à une équipe qui est plus habituée aux joutes européennes, aux grands matchs de Ligue 1. Il va falloir mettre encore plus d'intensité, encore plus essayer de garder le ballon. Un match difficile, annonce donc Christophe Galtier. That's right, Galtier expects an intense and difficult match, but he says we can't call this the biggest test so far because that would be disrespect to the other opponents that we've had thus far this season. However, it will be a big test because they'll press well, they have quality going forward, so he knows the team needs to be a bit more careful bringing the ball out and passing the ball around. But he expects, of course, going into this hard period of the season just before that World Cup, August to November, where the team has to play every 2 or 3 days. He expects to manage the squad very, very well, but he says, in terms of adding players to the squad, we want quality, not quantity. Exactement, la qualité avant la quantité, mais ils espèrent du monde et c'est vrai que les arrivées qui sont attendues, si elles n'arrivent pas, pourraient impacter l'effectif, comme le disait David. On rentre un peu dans une saison, on va pas se mentir, un peu inédite, un peu singulière, parce que c'est vrai qu'il y aura la Coupe du Monde en novembre prochain et qu'il faut déjà préparer les conditions physiques pour jouer ce début de saison. Il faut savoir, là on va jouer encore un match, mais dès la semaine prochaine on va rentrer dans un calendrier un petit peu plus intense avec 2 matchs par semaine, tous les 3 jours. La Ligue des Champions qui va commencer en septembre, il va falloir enchaîner. En novembre, on aura donc un break d'un mois et ensuite, ça va reprendre de manière très intense. D'ailleurs, on jouera le 1er janvier, il ne faudra pas faire la fête le 31 décembre prochain. Et donc, avec ce calendrier-là, forcément, ça va demander également beaucoup de rotation dans l'effectif. Donc, il compte encore sur des arrivées. Trahit Christophe Galtier dans cette conférence de presse. That's right. And going into this match, a reporter asked about Vitinha. He said he's suspended. He's actually suspended for Monaco. Voilà. But the coach pointed out, hey, look, the team needs to be careful with this. We start the match with 11. We should always finish with 11 as well. Exactement. Il va falloir avoir un œil à la fois donc, sur Marco Verratti et désormais donc, sur Vitinha. C'est vrai qu'il sera suspendu face à Monaco après avoir écopé donc, de 3 cartons jaunes sur les 3 premiers matchs officiels de la saison. D'ailleurs, Marco Verratti en a un petit peu rigolé en zone mixte en après-match en disant, voilà, maintenant on a Vitinha, donc on va me laisser tranquille avec ça. Donc promis, on va les laisser tranquilles et on espère que le corps arbitral en fera autant. Voilà. Now going into this match, of course, top of the table. This is the 3rd match day in Liga. 1 home match, 1 away match. Both were wins. 10 goals scored. 2 goals conceded, and as I mentioned, top exactement. Of the la pression désormais de devoir continuer, confirmer, avec ce niveau de performance, ça tombe bien. On a posé les questions à Achraf Hakimi et promis, dès demain, vous retrouverez son interview sur tous les réseaux du Paris Saint-Germain. Je pense qu'on a tout dit, David. That's it for us, yeah. C'est tout pour nous. De toute façon, dimanche, vous aurez donc rendez-vous avec le Paris Saint-Germain du côté du stade Pierre-Mauroy pour cette 3e journée de Ligue 1. Vous souhaite à tous, un très bon week-end de foot. That's right. Have a good weekend, guys. We'll see you on Sunday. Ciao. Ciao.